Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Erin Kou et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zelda Twilight Princess. La dernière fois on avait fait un truc assez incroyable, j'espère que vous allez bien en tout cas. Puisque en fait voilà, la dernière fois on avait tout simplement affronté Monsieur et Madame Yeti au snow, donc c'est... voilà, pour vous ça allait puisque vous avez pas vu mes 20 minutes passer dessus, à fail, tout simplement. On va se rendre ici, avant de partir dans la plaine d'Hyrule. Sachez, ah oui c'est extrêmement important, les lags. C'est fini, yes. Alors en fait il y avait tout simplement un paramètre tout bête pour ça, donc si vous voulez savoir ce que c'est, bah dites-le moi en commentaire, je vous donnerai la petite astuce pour plus que ça lag, parce que non ça ne venait pas de mon ordinateur en fait, c'est tout simplement je sais pas si c'est l'émulateur ou... enfin bref, je sais pas, mais en tout cas ça venait pas de mon ordinateur et ça a pu être corrigé très facilement. Alors pourquoi je me rends ici? Tout simplement parce que ici il y avait... voilà, des trucs gelés et du coup qu'on va éclater maintenant qu'on a le boulet. Ah d'accord. Oh, plus une âme de spectre. Imaginez, je l'avais pas fait, je l'aurais jamais vu. Oh génial, bon parfait, on commence extrêmement bien. Et voilà, petite âme de spectre, bye bye. Waouh, cool. Et en plus on va pouvoir allumer ça. Alors ce sera sûrement des rubis, je sais pas, un truc un peu naze. Mais imaginez, c'est un fragment de cœur. Ça serait totalement dingue. Attention, la lanterne, on l'équipe tout simplement. Oups. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, il y a aussi deux autres grottes avec de la glace qu'on va pouvoir explorer. On les avait vues, hein, je sais pas si vous en rappelez, mais de toute façon, on va les faire. Ah oui, voilà, donc c'est des rubis. Bon, du coup, je vais le laisser là. Hein. Eh oui, parce que je suis full. Malheureusement, je sais pas où mettre mes rubis maintenant. Ah, il faut que je me remette en loup. Alors, il y avait un petit arbre avec une âme de spectre. Et en creusant dans le trou, en fait, il y avait une grotte avec beaucoup de glace. Et du coup, c'est là-bas qu'on va se rendre. Donc bon, j'espère que ça... que voilà, que... bah, qu'on le retrouvera, parce que bah ici... Comment retrouver les choses? Ah, mais attendez, mais il n'y a plus la tempête. Oh, génial. Alors, je crois que c'était là-bas, vers la droite. Ah non. Peut-être... ah, c'est là-bas, je crois. Attendez. Alors, vous, non, en fait. Je crois que c'était là. Oui, parfait. Oh là là. Nice. Alors, est-ce que c'était cette grotte? Oui. Nickel, ben regardez. On va encore s'amuser avec le boulet qui est extrêmement efficace. Et allez, dégage. Olé. Oh, oh non, il y a encore ces trucs. What? Il y en a trois. Comment vous dire que je suis pas bien là? Attendez. Oh, il y a un coffre. Ah, je vous déteste. Ah. Oh punaise, c'est une blague. Oh punaise. Quelle galère. Oh punaise. Non, mais arrêtez. Arrêtez-vous. Ah, je suis en galère. Aidez-moi. Oh punaise. Oh, c'est hard. Hein. Franchement, c'est chaud. Enfin non, c'est froid du coup. Voilà, dégage. Oh punaise. Bon bref, en tout cas, on s'est quand même débarrassé d'une grosse partie des problèmes. Ce qui est plutôt bien. Ah, arrête ça. Il a arrêté de souffler. Et voilà. Ouf, libéré. Toi là-bas, là. Ouf. Il reste plus que cette chauve-souris. Et voilà, bim. Ouf, galère. En tout cas, on a notre petit coffre qui renferme. Oh, franchement, je m'attendais quand même à un fragment de cœur pour ça, mais bon. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Au moins, on a fait la grotte. Donc, c'est plutôt bien. Et maintenant, on va se rendre dans la plaine d'Hyrule Nord sans les lags, mesdames et messieurs. Sans les lags, oui. Voilà, c'était par là. Il y avait un petit passage secret. Alors, secret, non, mais un petit passage, quoi. Et ouais.
Oh, ça lag pas, ça lag pas. J'adore. Là, on apprécie avec la musique et tout, là. C'était cette grotte. Oh, j'adore. Là, je suis même content de me faire toucher par les ennemis. Là, on peut y aller. Oh, j'ai tellement content que ça lag plus. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, bah, en fait, j'avais mis ça sur Twitter parce qu'un ami m'avait montré, en fait, tout simplement, une astuce pour enlever ces lags. Donc, bah, franchement, super. Vraiment, merci à lui. Si jamais, Léo, tu vois cette vidéo, bah, merci à toi. Allez, hop, on va là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte? Ah, une énigme sympathique qui nous rappelle quand même le Pic des Neiges, les ruines du Pic des Neiges. Voilà, si vous n'avez pas vu les ruines du Pic des Neiges, franchement, je pense que ça, bah, ça vaut le coup parce que c'est un temple plutôt sympathique. Alors là, par contre, je sens que ça va être plus compliqué que dans le Pic des Neiges. Hein. Ouais, non, franchement, ça va. Plutôt accessible comme truc. Même très accessible. Ouais, je dirais pas très accessible, mais quand même un petit peu. Hein. Je veux dire, c'était pas non plus le bout du monde. Voilà, tranquille. Ah. Ok, c'est pour ça que c'est... Ok, je me suis réjoui un petit peu trop vite. J'ai cru que c'était fini. Ah oui, effectivement. Et du coup, il y en a encore ou pas, après? Oh, mon Dieu, ok. C'était vraiment niveau facile, c'est pour ça que... Oh my goodness. Ok, j'ai rien dit, du coup. C'est bon, je l'ai. Bon, ça va, c'était pas extrêmement dur, hein, je veux dire. Non, franchement, tranquille. Enfin, oui, ça allait, j'arrive à visualiser assez bien. Est-ce que vous y arrivez avec ce genre d'énigme? Je pense qu'il faut juste avoir l'habitude, hein. Enfin, parce que, bah, clairement, là, c'était pas très dur. Et voilà, du coup, on arrive à la dernière énigme. Alors là, clairement, si c'était pas un fragment de cœur, je crie au scandale. J'en ai combien d'ailleurs? J'en ai deux, ok, donc du coup j'en aurai un troisième, et au pire des cas ça sera pour l'autre temple, j'en aurai deux, donc bref, ça ira assez vite. Là ça va être un peu plus complexe. C'est bon, là c'est gagné, ça s'est passé extrêmement vite. Il suffit de réfléchir un peu en même temps, hein. C'est pas non plus... Voilà quoi. Allez hop, on passe ici et on a du coup l'accès facile sur l'interrupteur. Franchement, c'était un peu cadeau quoi. Et du coup le fragment de cœur, si c'est pas un fragment de cœur, là je crie vraiment au scandale parce que je pense que ça a quand même le level d'un fragment de cœur comparé à l'autre. Allez. Yes, ok c'est bon. Ouf, tout va bien, parfait, parfait, parfait. Et bah nickel. Et en plus voilà, on se remet toutes nos vies. Bon bah voilà, c'était... Bah honnêtement, est-ce que c'était simple? Je pense. Allez hop, on y va. Du coup c'est bon, on va retourner du coup à la taverne pour voir si on peut dire des choses un peu à H, qui se posait des questions par rapport au Pic des Neiges, qui était très intrigué par cette zone. On va lui dire qu'on est revenu victorieux. Oh là là, cette plaine d'Hyrule. Oh, je fais n'importe quoi là. Approche mon gars. Allez. Oh là là, magnifique. Eh, c'est pas beau ça? La petite cinématique qui fait plaisir, qui ne lag pas, vraiment c'est génial. Là on est vraiment sur du truc génial. Pouvoir écouter cette musique sans lag, c'est vraiment un plaisir. D'ailleurs, j'ai augmenté un peu plus le son de mon côté. Pour vous, je crois que ça change rien.
C'est tellement cool. Franchement, je kiffe. Juste me balader comme ça, c'est... Waouh. Ah, j'adore. Bon, allez, on va arrêter les... J'allais dire, on va arrêter les bêtises. Il y a monsieur le facteur qui vient. Oh, il n'a que pas le facteur. Yes. Oh, le voilà, monsieur Link. J'ai du courrier pour vous. J'ai deux lettres pour vous, monsieur Link. Pépé le pépé. Allez, merci. Maintenant, moi, je repars. À plus. Allez. Je suis tellement content. C'est un truc de fou. De la part de... Ah, madame Yeti. Le rêve de macaron. Oh. Hier, j'ai fait un rêve. Des papillons m'ont entouré de toutes parts et m'ont emmené dans le ciel. Certains habitants répondaient aux signes que je leur faisais depuis les nuages, tandis que d'autres restaient bouche bée à me voir ainsi dans les cieux. J'ai fait tout le tour de la plaine d'Hyrule sans toucher terre, puis les papillons qui m'enveloppaient m'ont redéposé gentiment dans mon lit et m'ont dit « Amusons-nous encore !» Et je me suis réveillé. J'aimerais tant voler en liberté parmi les nuages. On va retenir ça, on laisse ça dans un coin de la tête et on reviendra plus tard voir Macaron. Matornia, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'excuse de ne pas vous avoir fait meilleur accueil lors de... Ouais, un peu, ouais. Elle est là pour nous éclater au snowboard et en plus, c'était... Elle a voulu nous tuer quand même, hein. Je veux dire, à un moment, waouh. Je suis complètement guéri et mon mari et moi passons notre temps à faire de la glissade. Si un jour vous revenez au Pic Blanc, peut-être pourriez-vous vous joindre à nous pour une petite descente? Ah, ok, c'était une invitation pour faire le quart de cœur, en fait. Enfin, pour obtenir le quart de cœur, je pense. Mais on l'a déjà eu parce qu'on est des BG et... Et du coup, je sais plus où j'allais. Oui, je voulais me rendre à la citadelle pour aller dans la taverne. Bon, je vais quand même m'y rendre en loup, ça ira plus vite. Alors oui, je pourrais prendre Epona, mais j'ai pas envie. Non, j'ai surtout pas d'herbe pour siffloter. Enfin, j'ai pas envie de les chercher. Du coup, voilà. Ouf, tellement bien. Bon, on a 600 rubis. Est-ce que ce serait pas le moment de faire l'aumône au mec qui demande depuis le début, mais qu'on n'arrive pas... Oh, un petit rocher. En vrai, le boulet remplace les bombes, non? Oh, parfait. Les bombes ne nous serviront plus jamais à rien. Non, mais voilà, c'est vite de gaspiller des bombes. Voilà, merci pour les rubis qui ne rentrent même pas dans ma bourse, mais c'est pas grave. J'aime bien récupérer des rubis, ils sont beaux, ils sont frais, ils sont... Ah, j'adore. Oh, salut, toi. Oh là là, il a rien vu venir. Il a rien vu venir, le cochon malade. Oh, des rubis. Oh, des flèches. Ah, il est rapide. Il est rapide, le... Ouais. Voilà ce qui arrive aux gens comme toi. Et merci pour le cœur, on va pouvoir rentrer dans la citadelle d'Hyrule tranquillement. Allez, monsieur. Oui, t'inquiète, je te file des sous, mec. Yes. Oh oui. Il fallait 1000 rubis. Regardez, il se passe un truc. Oui. Ah, quand même. Cool, ben voilà. Ah, enfin, je l'ai eu. Pff, c'était pas trop tôt, hein. Bon, ben nickel, merci, mec. Qu'est-ce qu'il va nous dire, maintenant? Votre prière a atteint les cieux. Prenez bien soin de l'enveloppe corporelle que les déesses vous ont donnée. C'est un cadeau que l'on ne peut prendre à la légère. Eh ben, très bien. Ben, super. Ah, ben voilà, ça a servi. Ouf. Je suis rassuré, quand même, hein. On va aller à la taverne, du coup, voir un peu ce qu'ils disent, les mecs. Et H. Oh, regardez. Avec leur sac, ils vont aux galeries Balder, excellent. J'adore. C'est génial. Ok, et eh ben, wow, c'est cool. Et elle est où la taverne? Ah oui, elle est là-bas. Pff, j'ai complètement oublié. Ils me font trop rire avec leur petit sac. C'est excellent. Ok, allez, hop, on y va. La taverne, c'est par là. C'est par là. Ah, c'est, j'adore voir cette ville. Franchement, cette citadelle d'Hyrule est plutôt cool, hein, je veux dire, pour un Zelda. Enfin, elles ont toujours été moyennement intéressantes, mais celle-là est plutôt cool. Enfin, je veux dire, la place du marché d'Ocarina of Time, bon, enfin, je veux dire, c'est bien gentil, mais ça manque d'intérêt. Là, je trouve que c'est un peu plus vivant, vous voyez. Salut Thelma, on dit quand même bonjour, hein. C'est sa taverne. Et alors, comment va Iria? Je suis sûr que le père Enel trouvera moyen. En fait, elle nous a déjà dit ça. Ah, si tu te sens un peu paumé, va rendre visite à Moï, je suis sûr qu'il pourra te conseiller. En ce moment, il surveille la forêt du sud. Sa position exacte est inscrite sur la carte, sur la table du fond, tu peux aller voir. Ah, cool. Attendez, on va quand même parler à H de nos découvertes. Link, c'est cela? La créature des pics blancs n'est pas réapparue dans le village Zora dernièrement. Au final, les troubles en Hyrule, comme les événements des pics blancs, étaient encore plus sérieux que ce que je pensais.
Dis-moi, tu n'en saurais pas plus là-dessus? Hop, on va aller voir la carte. En plus, il y a des choses intéressantes au... Oh, examiner. Attention. La forêt sacrée où se trouve Moïse doit être quelque part près de la marque rouge sur la carte. Oui. Bah en fait, oui, on y est déjà allé, c'est celle de la Master Sword. Bonjour toi, est-ce que t'as des trucs à me dire? En ce moment, je dois avouer que je suis complètement fasciné par la légende des Célestiens. Tout le monde connaît la légende qui dit que ce sont des Iliens, un peuple quasi divin qui aurait fondé Hyrule, mais une autre légende dit qu'il existait un peuple encore plus avancé et que ce sont eux qui l'ont fondé. Ce peuple aurait créé une autre ville lorsque les Iliens sont nés, et propulsant cette ville dans les cieux, s'y serait... Oula. S'y serait installé... Ok, non, mais ok. Ah oui, ce peuple s'y serait installé... Oula, pff, bref. Certains chercheurs pensent que ce peuple vit aujourd'hui encore quelque part dans le ciel. Des Célestiens, fascinant, non? Je donnerais n'importe quoi pour les rencontrer. Ok, ben, intéressant. On sera peut-être amené à les rencontrer, ces chers Célestiens. Mais du coup, on va aller vers la forêt, ça tombe bien parce que j'ai un petit truc à faire. Hein, Valentin, tu te rappelles le quart de cœur que j'ai oublié, donc... Ah oui! Eh ben, on aura un réceptacle de cœur. Parfait. Bon, ben, je vais me téléporter du coup. Oui, parce que j'ai... Ah si, j'ai zéro rubis, j'aimerais bien en récupérer un petit peu de la part de Macaon. Mais bon, ça se fera assez vite. Oups. Et juste après, voilà, on ira du coup à la forêt. Parce que la dernière fois, bah, en fait, j'étais bloqué, je voulais récupérer ce quart de cœur, mais j'avais pas pu. J'avais pas pu, et c'était un peu dommage en fait. Château de Macaon. Salut! Bonjour, vous désirez me parler? Ouais. Merci pour... Et comment elle trouve tout ce rubis? Elle est méga riche, hein, Macaron, hein? Ouf! Franchement, elle gère, hein? Il y a combien? Il y a 24 insectes. Elle a 1200 rubis plus... Elle a 1800 rubis, quoi. C'est genre un truc de fou. Elle a 1800 rubis à nous donner. Enfin, je veux dire, c'est sympa, quoi. Ah non, la première récompense, c'était pas 50 rubis, c'était la bourse. Bref, elle a 1750 rubis à nous donner, plus une bourse. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein? Par contre, je me suis mis là où il y a tout le monde. Donc pour me transformer en loup, ça va pas être facile facile quoi. Hein. Allez, on va aller dehors, ce sera mieux. Hein. Et du coup, on va aller au niveau de la forêt. Je verrai bien des trucs là-bas, je sais pas pourquoi. À mon avis, il doit y avoir une âme de spectre dans la petite zone là. Il doit bien y en avoir une, non? Oui, voilà, il y a une âme de spectre. Cool, on va être à 40. 40 sur 60, on est aux deux, on sera aux deux tiers. Et voilà. Ok, on est aux deux tiers. Plutôt cool, hein? 40, c'est beaucoup, beaucoup, moi je trouve. Hein. Voilà, c'est pas la peine de continuer plus que ça. Forêt le Firon. Oh, c'est bien quand même que ça lag pas. Franchement, je suis content. Hein. Alors, on va éviter d'être en loup. Hein. Est-ce qu'il y a des âmes de spectre de ce côté-là? Ah, bah on le voit déjà. Il est prêt, il est chaud. Il est chaud patate le Moï. Allez hop là. On redevient humain au plus grand des calmes. Et salut mec! Ah! Cela fait un bon moment que nous ne nous sommes pas promenés dans ces bois. Yes, effectivement. Tu es au courant? De l'autre côté de cette gorge, il y aura un ancien temple caché au fin fond d'une forêt protégée par un pouvoir sacré. Encore de nos jours, il resterait dans ce temple construit par les ancêtres des Iliens des vestiges de leur fabuleuse civilisation. Si quelqu'un parvenait à s'emparer des pouvoirs de cette ancienne civilisation, je suis sûr que ce jour marquerait le salut d'Hyrule. Link, accepterais-tu cette tâche? Oserais-tu traverser cette gorge et partir à la recherche du pouvoir de cette civilisation antique? Oui, bien sûr. Je ne doutais pas que tu répondrais de la sorte. Je te confie cet ami, il saura te faire traverser la gorge. Mister Faucon, bonsoir. Non! La cocotte dorée. Bah, je me suis déjà moqué. Ne te moque pas, les airs n'ont pas de secret pour lui, vraiment. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas en train de te flouer. Tu arriveras de l'autre côté sain et sauf. Ok. Eh, cool, hein? Une cocotte dorée, c'est kiffant. Oui, merci. Je veux juste te porter en fait. Et genre là, ça passe là? Ah, c'est tendu quand même, hein. Là, faut aller où? Ah, ok.
Bon, eh ben, on lui fait confiance, hein. Ouf, nickel. Allez, tourne. Que je puisse... Attendez, mais ça peut tourner au moins. Je pense qu'il faut utiliser le boomerang des tornades, hein. On n'a pas trop le choix parce que là, ça n'a pas l'air de vouloir faire quelque chose. Le boomerang, on va l'utiliser. Ouais, évidemment. Parce que je veux dire, c'est un petit peu long quand même. Salut ma cocotte. Oh, j'ai cru qu'elle était partie. Ma cocotte, on y est. Elle a pas intérêt à s'envoler la cocotte, hein. Ok, c'est bon. Merci. Ok, c'est bon. Bon, plutôt cool. Alors, est-ce que du coup la porte va s'ouvrir? Il y a intérêt, hein, parce que sinon... Voilà, la dernière fois on n'avait pas pu et là, ben, j'imagine qu'elle nous servira plus à rien la cocotte. Mais je comprends pas parce qu'on aurait pu y aller avec... Ah, attendez. Non, pas le retour de Skull Kid quand même. Oh, il m'a saoulé lui. Oh là 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 là, la catastrophe. Le retour des pantins et de Skull Kid. J'ai cru que c'était fini ça. Non, pas du tout, pas du tout. Ouais, amuse-toi bien, ouais. Bon, c'est pas grave, on va les frapper, parce que, bah en fait, il nous embête. Il faut encore jouer avec lui, là. Alors, il est parti par là, d'après la lumière, mais je vais quand même explorer, parce qu'apparemment, j'ai vu un fragment de cœur dans cette forêt. Oh, mais non. Approchez, les gars. Aujourd'hui, c'est la fête. Non, vous savez quoi, je vais suivre ce Skull Kid tout simplement. On va pas... voilà quoi. Où est-il? Il est passé où? Oh non, arrête. Ça te fait rire, hein, petit Skull Kid. Voilà, dégage. J'ai la Master Sword, ok? Ouais, disparaît, ouais. Disparaît de mon champ de vision, surtout. Alors, où est-ce que c'est? Attention. Oh punaise, alors c'est vers là-bas apparemment. Ah, c'est là je crois. Oui, c'est là, il y a sa lumière. Parfait. Oh, attendez, il y a une âme de spectre, Chaque chose en son temps. Ils peuvent me suivre là? Mais calmez-vous. Bon, écoutez, hop. Oh. Mais non, je vais pas pouvoir remonter. Arrêtez les gars, soyez cool. Oh mais bon, après si c'est moi qui suis bête en même temps, on peut plus faire grand chose après, hein. Voilà, chais. Allez, moi je me transforme en loup, je veux cette âme de spectre. Oh, il y a des âmes de spectre ici aussi quoi, enfin je veux dire, il faut pas les louper, hein. Ok, il m'a eu, je pensais que j'étais suffisamment loin, mais on s'en fout, parce que là c'est le coup de grâce. Et il y a l'autre pantin là. Ok. Ah, vous croyez drôle, hein? Vous croyez marrant, les gars, hein? Et pourtant, vous ne l'êtes pas, hein? Allez hop. Bon, bah, je vais finir ça en loup parce que bah, y a des âmes de spectre, donc ce sera un peu dommage de les rater. Du coup, j'ai envie de tout regarder au cas où il y ait des âmes de spectre perdues. Oh, regardez! Il y a des torches. Je vais allumer. Alors, des petites torches. Une petite torche. Ah, mais j'avais déjà en plus. Bravo. Ah, d'accord, ça sert à rien. Yes, on adore. Ouais, ben... Ah, mais attendez, mais là c'est censé être la fin, non? Moi je veux juste les âmes de spectre, j'irai là-bas après. Ah, attendez, il y a Skull Kid. Alors, il y a encore des torches à allumer, donc on va les allumer. Oh, ces pantins, ils m'énervent, hein, franchement. Allez hop. Ah, alors qu'est-ce que c'est? Oh, des rubis, hein, c'est obligé. Hein. Oh, pas. Je m'attends pas vraiment à un fragment de cœur là pour le coup.
Voilà, laissez-moi tranquille, les gars. Alors, qu'est-ce que c'est? 50 rubis? Ah! What? 30 bombes? Il y a un truc à exploser à côté. Enfin, genre, comment ça, 30 bombes? Oh, bah alors. Hein. On va prendre l'arc, hein. Ouais, non, mais voilà. Tu fais pas le malin avec moi, mais... petit Skull Kid. Petit malin. Ouais, je te vois, hein. J'espère que j'oublie pas Dame de Spectre, hein. Oh, mais non, mais calmez-vous, les mecs. Soyez cool, quoi. Il y a des endroits où je dois y être passé, mais genre 10 000 fois, mais c'est pas grave. J'espère que je passe au bon endroit. Si j'oublie des trucs, bah, c'est un peu dommage, quoi. Alors apparemment il est passé par là. Non mais j'ai compris, il est là. Et il est peut-être là-haut, hein. Je crois qu'il est là-haut. Voilà, chais, vous m'avez pas eu. Oh non. Ah non, il est pas du tout là-haut. Et moi je vais où du coup? Peut-être là, allez, on va aller par là. Ah oui, il est... Ah non, ça c'était mes torches. Ah, c'est ça la porte. Est-ce qu'il est là? Ah non, mais il y a plein de portes. Attendez. Où est-il passé, ce petit chenapan? Je vais me mettre en loup, ça ira plus vite. Hein, on va pas perdre de temps avec ça. Ouais. Est-ce qu'il est là? Ah mais non, j'ai... Attendez. Ah non, ça c'est encore... Ah mais si, il est là. Ah mais il est passé par là. Regardez, là il y a sa lanterne. Ah bah là ça y est. Attendez. Il se moque de moi à passer par là. Je suis déjà passé par là. Je me demande s'il est pas là-haut là. Ah si, écoutez, on le... Tu te crois marrant, hein? Espèce de petit chenapan. Voilà! Voilà ce qui arrive. Oh, encore? Ok, je te suis, mais bon... pas trop longtemps, s'il te plaît, hein? De toute façon, on le voit là, là il court. Ah, il court vite quand même, hein. Un petit malin, lui, hein. Il est parti par où? Par là? Oui, il est parti par là. Ah, mais on n'y est jamais allé ici. Ah, mais si, mais attendez, c'est le... Oh, cool. Ah, non. Est-ce qu'on y est déjà allé? Je crois pas, hein. Est-ce qu'on va pouvoir se TP? Ça serait bien qu'il y ait des monstres, les agents du crépuscule. Parce que... Ben, voilà, quoi. Ce serait bien de pouvoir se TP ici un jour. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh, il a pas compris sa première raclée. Ça marche. Mais y a pas de soucis. Voilà, prends ça. On a compris que tu trouvais ça marrant, hein, mais c'est pas drôle, hein, sache-le, petit. Ouais. Fais pas le malin. Hein. Encore une fois, je te le dis. Hein. On va se calmer tout de suite. Il est où? Attendez. Je vois pas. Où est-il? Ah, il est là-haut. Oh, j'ai eu. Je m'attendais pas. J'avais tellement mal visé que... Oh là là, oh, il y en a tellement là, c'est pas possible. On va essayer de viser vite. Oh, attendez. Bah ouais, on va en profiter là.
Ah, c'est bon. Ouf. Parfait. Ah, il fait moins le malin, le petit, hein. Alors, qu'est-ce que... Ah, ça y est. Moi, je veux des agents du crépuscule. Hé, je me suis bien amusé. Comme je suis de bonne humeur, je vais t'ouvrir un passage qui te mènera à un endroit secret. Merci beaucoup, Skull Kid. Voilà, bon, il est de bonne humeur, bah tant mieux. Hein. Tant mieux, tant mieux. Nous, il nous a mis de très mauvaise humeur. Hein. C'est pas vrai. Hein. Non, ça va, c'était rigolo quand même. J'aime bien cette petite balade en forêt. Allez hop. Ah, je pensais pas qu'il y avait un petit chargement. Moi, je veux le... Moi, je veux le fragment de cœur, là. Ah, on peut pousser ça, ok. Quand arriveront les agents du crépuscule? Ah, c'est ça que j'attends depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, d'accord. J'y suis déjà allé 200 fois, mais c'est pas grave. Enfin, 200 fois, non, qu'une fois, en fait. Hein. Qu'est-ce que je raconte? La forêt sacrée des temps anciens. Je ne pensais pas que c'était là. Je me demande où se trouve le temple. Ben, on verra bien. Alors, apparemment, j'ai loupé du coup un fragment de cœur qui se récupère. Attendez, que je puisse revenir ici facilement. Hein. Oui, je pourrais revenir facilement, parfait. Je vais chercher le fragment de cœur, Valentin, parce que apparemment, il était dans la zone, là où il y avait le spectre, tu m'avais dit. Donc, je vais y aller. Je sais pas du tout où il est. Est-ce que je vais me sentir bête? Peut-être. À mon avis, il doit y avoir un trou ou un truc comme ça. En fait, il est tellement petit que je n'étais pas allé. Oh, je suis en... Franchement, si c'est ça le fragment de cœur, je suis un peu déçu de moi-même. Enfin, parce que clairement, c'était assez simple à voir, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas de... Ah, il y en a encore, ok. Ok, ça s'est fait, oh là, bah eh oh. La vieille plante. Ah. Voilà, dégage, ouais. Ouais, non, parce que... À un moment, faut arrêter ça. Ah, ça la défonce pas. On va faire ça, hein. Voilà. Alors, est-ce que c'était ça le fragment de cœur dont tu me parlais? Surprise. Je suis sûr que c'est ça. Franchement, je vais être déçu, là. Déçu de moi quand je vais apprendre que c'est celui-là. Aïe, aïe, aïe. Bon, cela dit, ça fera un réceptacle de cœur, hein. Donc, tant mieux, hein, mais bon. C'est un peu triste pour ma capacité à analyser. Et ouais, merci Valentin en tout cas. Hein. Cool, et ben voilà, grâce à toi on a 14 cœurs, ce qui est plutôt cool hein, là où on en est. Allez hop, on avance. Et mais en fait, attendez, le temps passe, le temps passe. On va peut-être s'arrêter là, non? Et oui. Qu'est-ce que... Waouh. Il faut pas que je refasse des épisodes de 49 minutes. Hein. Oh là là, ouais, on va s'arrêter là. On va résoudre tous les mystères de cette forêt à l'épisode suivant. Hein. Et puis voilà, bah j'espère que celui-là vous a plu. Hein. On aura quand même découvert la plaine d'Hyrule sans les lags. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et puis bon, on aura fait quelques petites quêtes annexes et on se sera baladé dans la forêt. Donc un peu d'annexes, un peu de principal. J'espère que ça vous a plu. Bref, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite triforce bleue en bas de cette vidéo. Et si vous avez un truc à dire, comme d'habitude, passez par les petits commentaires. Voilà, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait pour ne pas louper la suite du Let's Play et des autres vidéos sur Zelda. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était Irinku. Ciao tout le monde.